Ce soir dans le Quintet, j'ai la Stickette, c'est un cheval que j'ai découvert dernièrement. Il courait super bien sur la grande piste, il marchait 12-7 derrière des Bugsy Malone et Spartan Chronos, donc la ligne était parfaite. Et le dernier coup, il était blessé, il n'a pas fait sa course, donc course à effacer. Il recourt à 8 jours, ça m'inquiète un petit peu, j'espère qu'il a eu le temps de se remettre quand même de sa blessure. S'il est revenu à 100%, c'est une toute première chance. C'est vraiment un bon dada, donc il mériterait bien faire dans un lot comme ça. Tando Barbet, un cheval d'âge qui trouve un bon engagement. Son entraîneur m'a prévenu que le cheval était en grande forme. Il ne reste pas sur des perfs forcément super intéressantes en région parisienne, mais bon, l'engagement est de qualité. Donc méfiance, à l'issue d'un bon déroulement de course, il peut prendre une petite place dans le Quintet. Drop va courir la championnat des 3 ans, c'est pas une tâche facile pour lui. Normalement, il a un très bel engagement fin du mois. Faut le regarder se comporter. C'est, à ce niveau-là, ça devient compliqué. Petite piste, c'est un avantage pour lui, il est quand même beaucoup plus à l'aise. Sur le tracé, pareil, il va être bien sur un 2100, mais bon, chance secondaire avec vu le lot qui s'offre à lui. Caliloulou au départ de la finale du GN de l'UET. J'ai choisi le numéro 2, Redly Express le 3. C'est l'épouvantail de la course. Ma jument est en forme. La dernière fois, elle a fait vraiment belle impression en étant de nez au vent. Maintenant, voilà, on va essayer de prendre la roue du cheval de la course. Et puis, si on peut être second, je signe tout de suite dès demain. La jument est en forme. Elle est bien sur le parcours. Ce sera de nouveau déféré des 4. Je suis assez confiant, au moins pour les bonnes places. Elle mériterait finir sur le podium. Booster Winner, lui, parcours de vitesse, ça le connaît très bien. La petite piste, ça va pas le déranger. Numéro 1, je pense que c'est tout ce qui peut nous arriver de mieux. On va essayer de bien démarrer sans faire trop d'efforts et puis prendre le wagon de Bold Eagle. À mon avis, face à Bold Eagle, vaut mieux être à la corde. Donc tant mieux, avec le numéro que j'ai, je peux essayer de choper une 4-5e place.